Alors bonjour, bonsoir, chers amis, j'espère que vous vous portez bien. Alors, un nouveau poste du 31 juillet 2020. Très ravi de vous retrouver à nouveau. Très ravi d'avoir pu échanger la dernière fois aussi grandement avec les membres de la communauté. Le sujet d'aujourd'hui porte sur la littérature algérienne d'expression française. Je l'avais mentionné l'autre fois, il y a 2 ou 3 jours sur la page, pour justement permettre aux uns et aux autres de pouvoir soit faire leur recherche, soit justement poser des questions, probablement autour des questions phares de la littérature algérienne, à savoir la langue, le français, la francophonie, à savoir l'esthétique, à savoir les thématiques abordées, à savoir l'histoire de cette littérature, porte-drapeau, les grands intellectuels qui ont marqué l'histoire de la littérature algérienne d'expression française au XXe siècle. Sahaïd comme à toutes et à tous, une fois encore, et très ravi d'être parmi vous. Alors, poste du 31 juillet, la littérature algérienne d'expression française. Alors, ce qui serait bien de savoir préliminairement, c'est que la littérature algérienne évolue et a évolué tout particulièrement dans un contexte socio-historique particulier. Le contexte socio-historique en question, c'est la colonisation de l'Algérie à partir de 1830. Il n'y avait pas de littérature d'expression française des Algériens, et ce avant les années 1920. Il y avait des Français d'Algérie qui écrivaient, mais aucun Algérien n'avait daigné prendre la plume pour écrire un roman en français. Plusieurs hypothèses, plusieurs questions peuvent être soulevées là-dessus. Je ne vais pas y revenir. Le propos n'est pas de faire une étude anthropologique ou sociologique sur l'évolution de la littérature. C'est juste pour donner des repères pour que les membres de la communauté puissent avoir une idée assez claire sur l'évolution de la littérature algérienne d'expression française. Donc le propos du jour, je ne vais pas aborder la littérature algérienne grosso modo dans son ensemble. J'aborderai la littérature algérienne écrite par la langue française. Alors, la littérature algérienne tient au fait des modèles d'écriture appris à l'école française. Cela sous-entendrait ou présupposerait que, d'ailleurs c'est une vérité, que nos auteurs, ayant fait l'école française, ont appris les modèles occidentaux, européens et plus exactement français. Ils se sont inspirés des grands poètes, ils se sont inspirés des écrivains, ils se sont inspirés de l'esthétique des œuvres, des genres littéraires en France. Tout à fait naturel, l'Algérie, elle était française à l'époque. Alors, l'adoption de la langue française, celle du colonisateur, permettra à plusieurs intellectuels, poètes, écrivains algériens de prétendre à un statut et de prendre enfin la parole. Nous allons voir infra pourquoi ces intellectuels ont pris la parole. Alors, donner une toute autre réalité à quoi? Donner une réalité à quoi? Donner une réalité à une existence, donner une réalité à un pays, donner une réalité à une croyance, à une religion, donner aussi vie à quoi? À l'homme, à l'autochtone, qui s'octroie de fait l'espace social, l'espace imaginaire,
et l'espace algéro-algérien pour une entité algérienne d'Algérie et non pour une Algérie française, chose à laquelle prétendait tant de mouvements et tant d'intellectuels ici en Algérie. Se pose ensuite, ça c'est d'un point de vue global, se pose ensuite la question de la reconnaissance de cette littérature dans le champ mondial et universel. La question de la reconnaissance, car certains disent que cette littérature, c'est une littérature de périphérie, d'autres disent que c'est une littérature d'ailleurs. Et ça, c'est le point de vue de la métropole de la France, plus exactement de Paris. On se positionne dans une perspective colonialiste d'emblée. Et c'est ce qui fait l'essence de la littérature des Français d'Algérie. Alors, le problème de l'altérité, qui est ici sous-jacent, se pose dans la mesure où ces porte-drapeaux, nos auteurs, étaient au contact des Français d'Algérie. Petit aperçu de l'ambivalence sociale, de l'hétérogénéité sociale, de cette harmonisation, qui n'en était pas une au fait, d'un point de vue social, il y avait, disons-le, les Arabes d'un côté, les Berbères d'un autre, les Français. Il y avait les colons qui venaient, des Maltais, des Italiens, des Portugais, des Espagnols. Donc, c'était quelque part une société hétéroclite, ce qui y avait généré cette, je dirais pas tension, mais cet imaginaire pluriel, fallacieux, morbide, quelque peu idyllique. Pourquoi? Parce que cette littérature va être considérée, pour en revenir à la question de la reconnaissance, comme une littérature bâtarde. Parce que l'autochtone, dès qu'il s'exprime, on lui faisait rappeler son origine, on lui faisait rappeler sa langue mère, et qu'il n'avait pas quelque part le droit de s'exprimer à travers cette littérature-là. Alors elle est complexe. Elle avait connu un refus, un dénigrement. Elle devient alors une revendication, une lutte, une littérature de combat, préliminairement ethnographique, sociale, historique et politique à partir de 1954 avec l'engagement littéraire. Et l'engagement politico-littéraire. D'où d'ailleurs le thème de mon dernier poste porté sur la littérature et l'engagement politique qui avait suscité un vif débat sur la question. Alors, on ne peut, sphère-là, échapper à la problématique identitaire qui n'est jamais le même et qui se pose dès que le moi transcende, dès que la question du moi et de l'autre se pose. Moi, l'Algérien, auteur, écrivain, arabe ou berbère, qui ne suis pas français. Et qui vais écrire dans la langue de l'autre. La littérature algérienne d'expression française verra le jour et définira ses normes, ses genres, aura son esthétique et perdurera dans le temps. Nous le sommes aujourd'hui. Alors revenons grandement sur l'évolution de la littérature algérienne d'expression française à travers la présentation non exhaustive, bien sûr. Je ne vais pas tous les auteurs, tous les romans, mais je vais faire un aperçu sur la question pour pouvoir justement permettre à mes chers internautes, amis, membres de la communauté et à la toile, pour pouvoir bénéficier de cela. Je tiens juste à rappeler que
Ce modeste résumé dont je vous fais part aujourd'hui a été repris d'un cours, de l'université de Constantine de Madame, je cite, méthodologie de la recherche, littérature algérienne de langue française. Alors, enseignante Madame Bouguechiche Myriam. D'accord, donc c'est Madame Bouguechiche Myriam qui a talentueusement résumé l'histoire de la littérature algérienne. Je m'en suis inspiré pour vous faire aujourd'hui ce live. Donc généralement, c'est ma méthode de travail. Je lis par-ci, par-là. Je référence toujours mes recherches et je n'hésite pas après à partager mes documents sur la question. Alors revenons maintenant à l'évolution de la littérature algérienne d'expression française. Premier point, une littérature d'exotisme et l'orientalisme. Des Français d'Algérie et d'autres venus de la métropole vont peindre ce pays nord-africain. Ce sont principalement des souvenirs et des correspondances de guerre, militaires ou missionnaires. Les écrivains étaient très inspirés du climat des paysages, mais surtout du Sahara. L'Algérie était l'objet de tous les désirs des Français d'Algérie, métropole, mais aussi des colons. De l'exotisme et de l'orientalisme se trouve justement et à juste titre chez Isabelle Eberhardt au Pays des Sables qui est une femme arrivée ici en Algérie en 1899 et qui avait entamé la découverte du Sahara. Sa mère Nathalie qui avait fui la révolution russe était venue s'installer ici en Algérie. Alors, à la mort de sa mère, Isabelle Eberhardt, qui était très touchée par cet événement d'ailleurs, va alors aller vers cette grandeur du Sahara, drapée dans les plis de son burnous et bottée en cavalier arabe. Le temps change, l'auteur s'imprègne de la culture de l'autochtone et ce qui va donner cette forme primaire de littérature algérienne d'expression française dont le registre serait proche du récit de vie, du cahier journalier, du cahier intime, mais encore du récit de voyage. Je vous lirai un passage, volontiers, d'Isabelle Eberhardt, une, je dirais, petite nouvelle, intitulée Sous le joug. Sidi Mrarni, une gorge entre deux grandes dunes grises. Une étroite vallée plantée de palmiers, où se cachent quelques pauvres maisons délabrées, en pierre brute et plâtre gris, de la couleur du désert, avec, au lieu de toit, les étranges petites coupoles qui, dans le souffle, mêlent les perspectives de ville à celles des dunes. Ce hameau est habité par une tribu berbère venue du nord, qui a conservé les mœurs et le langage des Chaouia. Du haut des dunes, un horizon s'ouvre, très vaste et très bleu. Vers l'est, une mer houleuse est immobilisée. Des dunes et des dunes, à perte de vue. Des dunes pointues comme des pics de rochers et des dunes rondes comme des tumuli. Par-ci, par-là, dans les jardins, par-ci par-là,
dans les grisailles pâles du sable, des taches noires qui sont des jardins. Vers l'ouest, une grande plaine livide où il y a encore des coupoles disséminées, et dans le vague des sentiers, des tombeaux innombrables, sépultures au hasard, sans murs, sans ornements et sans épouvante. Pour vous dire que Au pays des sables est une ode, est une invitation au voyage, un récit autobiographique bien sûr, mais un récit journalier proche du registre journalistique, proche du registre du récit de voyage. Alors, la littérature algérienne d'expression française était à ses débuts une littérature où régnait l'exotisme et l'orientalisme, car l'Algérie à l'époque était un territoire qui attisait l'autre. On était curieux de voir l'Algérie, on était curieux de voir le Sahara, on était curieux de voir cette autre France qui diffère de la métropole. Alors, la deuxième grande période de la littérature algérienne d'expression française sera marquée par la naissance de l'algérianisme et des algérianistes. Un mouvement de Français d'Algérie. Le mot fut inventé par Jean Pommier et Robert Arnaud. Leur manifeste pose les fondements d'une littérature nord-africaine nouvelle. L'un des fondements de base de cette nouvelle vision, idéologie, doctrine de la littérature algérienne d'expression française se résume en la latinité de l'Algérie. Une revendication acerbe pour une culture gréco-romaine. Louis Bertrand, avec son roman Le sang des races, publié en 1899, en est une incarnation parfaite de cette idéologie dominant-dominée, de cette idéologie où le colon ou le colonisateur se met dans une position de force vis-à-vis à l'autochtone. Une littérature colonialiste incarnée par le mouvement des algérianistes. Une ode et un discours colonialiste qui instaure d'emblée une relation de porte à porte, dominant-dominé, entre deux visions du monde, entre deux peuples, entre deux croyances, entre deux, je dirais, entre une nation qui avait son histoire, qui avait sa révolution, qui avait ses déboires, qui avait ses Napoléons, qui avait ses Bonaparte. Et il y avait cette autre Algérie qui s'est tue il y a fort longtemps. Et il y avait cette autre Algérie qui attendait son heure. Alors, Souleymane qui nous fait ici un commentaire très intéressant, alors je le reprends brièvement, petite digression s'impose. Monsieur Afif, là vous devrez signaler que cela s'appelle le côté de l'Algérien, objet d'écriture qui englobe l'écriture missionnaire, l'exotisme encore appelé l'orientalisme et l'algérianisme. Alors ici, l'écriture missionnaire, je l'ai mentionné en disant que c'était des récits de militaires ou d'ex-militaires qui étaient ici en fonction. Et de un. Et de deux, l'exotisme aussi, oui. Alors, il faudrait par contre dissocier entre orientalisme et algérianisme. Pourquoi? Parce que l'orientalisme, ici, c'est des auteurs qui viennent, qui sont ici, et qui ont un style et un temps et un discours porté plus vers le voyage, porté plus vers la description. Alors que l'algérianisme, c'est plus porté vers l'assimilation culturelle, vers la domination, vers une forme de colonisation des esprits, une colonisation de l'espace imaginaire et de l'espace littéraire. D'accord? Voilà. Donc le troisième grand mouvement
de la littérature, ou qui caractérise la littérature algérienne d'expression française, et qui est au grand dam et au grand bonheur des autochtones, si je puis dire, aux antipodes du mouvement algérianiste, en l'occurrence l'école d'Alger. Alors, l'école d'Alger, un mouvement littéraire qui est aux antipodes de l'algérianisme. Ces intellectuels prennent d'ailleurs un humanisme universel et donnent pour la première fois la parole à l'autochtone. Cet autochtone qui longeait les murs, cet autochtone indésirable et indésiré, allait enfin prendre la parole grâce à l'école d'Alger. Plusieurs revues de l'école publieront ainsi les premiers travaux des écrivains indigènes. On les appelait comme ça. Ils n'étaient pas algériens, ils étaient des indigènes. Alors, Jules Roy et son œuvre Les Chevaux du Soleil, dans laquelle l'auteur revient grandement sur la colonisation de l'Algérie, est un appel tout autre pour reconsidérer l'intronisation de la France en Algérie, la colonisation de la France, la colonisation, pardon, de l'Algérie par la France, et les bévues, les dérapages, les crimes de guerre commis par la France en Algérie. Et c'est ce discours, celui de Jules Roy, plus particulièrement. J'ai d'ailleurs inséré tout à l'heure sur la page du groupe un petit témoignage de Jules Roy où il admettait les crimes de guerre commis par la France, avec l'animateur d'Apostrophe à l'époque. Et ce n'est qu'à travers ces gens-là que la littérature algérienne, indigène et autochtone d'expression française, naîtra. Et ce n'est qu'à partir de cette conjoncture-là que l'espace, la sphère et la dimension littéraire deviendra un champ de bataille entre des auteurs, écrivains, algérianité, leur religion, leurs croyances, leur vision du monde, et des Français d'Algérie qui étaient quelque part en perdition, car il y avait peu, voire pas de production de ces Français-là, hormis des textes historiques, géographiques, des articles de presse qui clamaient le colonialisme et l'Algérie française. Alors, pour résumer cette première phase de la littérature algérienne d'expression française, nous dirons que de 1890 à 1920, à peu près, il n'y avait pas eu d'auteur algérien à proprement parler. Il n'y avait pas eu d'Algériens autochtones, indigènes, qui étaient en exercice. Il y avait des Français d'Algérie qui prenaient la parole, qui prenaient la plume, soit pour l'exotisme, soit par esprit pour assouvir quelque part cette doctrine colonialiste, mais il n'y avait pas encore d'Algérie. Il n'y avait pas encore d'écrivains et d'auteurs algériens pour frapper du poing et dire que l'Algérie est là, nous sommes là, cette littérature existe, allons-y. Chose qui sera revendiquée avec la littérature embryonnaire à caractère sociologique, qui est le quatrième point de l'évolution de la littérature algérienne d'expression française. Alors, les Algériens autochtones qui font l'école française s'imprègnent des formes et des genres de la littérature française à l'école. Ces Algériens donneront naissance à une littérature embryonnaire d'essais qui se cherchait encore à l'époque. L'exemple, Qaïd ben Chirif Ahmed ben Mostafa, Le Goumier, 1920, Zohra la femme des mineurs, de Hajj Hamou, en 1920.
XV. S'ensuivra directement une littérature ethnographique, qui est considérée comme un aboutissement et comme une suite logique de cette littérature embryonnaire dont nous parlions, à partir des années 1920-1930, avec bien sûr le début de cette littérature ethnographique qui sera caractérisée par une large publication dans les journaux de l'époque, une forte activité journalistique, mais aussi de la création des clubs, des cercles et des revues littéraires qui seront dédiées à cet effet. Alors cette littérature ethnographique sera marquée par quelques noms, quelques intellectuels, quelques auteurs qui feront un branle-bas combat et qui iront qui partiront en quête, en voyage de soi, de leur identité, de leur Algérie à eux. Mouloud Feraoun dans Le Fils du Pauvre en 1950, La Terre et le Sang 3 ans plus tard, Mohamed Dib et la Grande Maison, la trilogie, Mouloud Ma'amri et la Colline Oubliée, 3 auteurs, 3 noms, 3 intellectuels qui marqueront la fin de l'accaparation du champ littéraire algérien par les Français d'Algérie. Alors, l'esthétique d'ensemble de cette littérature ethnographique, elle empruntera les sentiers du roman réaliste, un roman autobiographique où le lecteur peut suivre l'évolution de son héros, qui ne connaît pas aujourd'hui la figure mythique de Hamid Sarraj. Ces thèmes reprennent la tradition, le folklore, les coutumes, les mœurs autochtones, le portrait individuel, le portrait collectif, une littérature du terroir, une littérature nouvelle qui n'est pas française, mais qui est algérienne. Cette littérature, ethnographique au début, deviendra avec les avancées politico-sociales et historiques, une littérature contestataire. Le temps changera à nouveau, sans doute comme la littérature, comme les thèmes, comme les mœurs, comme l'homme, quelque part. Il y a dans cette forme-là une volonté de s'exprimer, parlant de la littérature contestataire, de revendiquer une présence et de construire un imaginaire social, littéraire et historique. Un imaginaire algérien. À partir donc de 1954, il était question, pour les uns comme pour les autres, femmes et hommes, petits et grands, de partir en guerre. Mais pour les lettrés, il était question de partir doublement en guerre. Engagement politique et engagement littéraire. Et de prendre la plume pour combattre le colonialisme. L'engagement national, révolutionnaire, gagne donc la littérature. Le mouvement et gagne en maturité, ce qui va apporter un plus au combat et à la cause algérienne partout ailleurs. Un roman sonnera le glas de la littérature ethnographique. Un roman mettra fin à cette littérature ethnographique, mettra fin à cette littérature embryonnaire. 1956, vous l'aurez deviné, Nejma de Katib Yassine. Nejma de Katib Yassine, c'est l'Algérie. Nejma de Katib Yassine, c'est quelque part la nation. Nejma de Katib Yassine, c'est quelque part une rupture. Nejma de Katib Yassine, c'est quelque part une invitation à découvrir cette nouvelle Algérie qui est prête à prendre les armes pour dire en français que l'Algérien existe, que l'Algérie existe, que nous sommes et que nous seront toujours là. Je reprendrai un passage, page 41, de Nejma de Katib Yassine. Mer, le mur est haut. Me voilà dans une ville en ruine ce printemps. Me voilà dans les murs de l'Ambèze. Mais les Romains sont remplacés par les Corses, tous gardiens de prison. Et nous prenons la succession des esclaves. Dans le même bagne, près de la fosse au lion, et les fils des Romains patrouillent l'arme à la bretelle,
Le mauvais sort nous attendait en marge des ruines. Le pénitencier qui faisait l'orgueil de Napoléon III et l'écorce patrouille l'arme à la bretelle. En parfait équilibre sur le mur et le soleil, ne lui, pour nous qu'à la visière des gardes, sur les canons de leurs fusils, jusqu'à la fin des 20 ans de peine. À 40 ans, je serai libre, ayant vécu doublement ma peine et mon âge, et peut-être à 40 pourrai-je avoir librement mes 20 ans. Mais, et oh, de l'oralité, un talent, un style, une langue. Une littérature francophone, une littérature algérienne, je dirais. Car le terme francophone, si l'on revient à Édouard Saïd ou à Émile Malouf, poserait problème, un problème épistémologique, terminologique, par rapport à la définition même du concept, par rapport au genre en question. Ce qui pose problème véritablement ici, c'est la langue en usage. On va reprocher à ces Algériens justement d'écrire en français. Mais quand on voit Kateb écrire de la sorte, ce n'est plus une décharge, mais un fait établi. Une voix féminine retentira, celle d'Assia Jabbar. Assia la femme, Assia la mère, Assia qui prendra les armes pour défendre la cause féminine, qui défendra à sa manière, qui défendra, certes comme le font aujourd'hui, mais peut-être d'une manière un peu moins sobre, je dirais, les féministes, les droits de la femme algérienne. Elle reviendra entre autres sur le rôle qu'avait joué la femme algérienne dans le maquis, le rôle qu'avait joué la femme algérienne chez elle, avec son mari, sa famille. Mais elle prendra l'émancipation de la femme intellectuelle et à la fois vis-à-vis des mœurs et des traditions archaïques qui plombent son quotidien. Qu'arrive-t-il? Qu'arrive-t-il ensuite à la littérature algérienne d'expression française? 1962, l'indépendance du pays. Certains mourront. D'autres se tairont à jamais. D'autres se taisent. Certains prendront les chemins de l'exil. D'autres auront un métier, comme le commun. La littérature algérienne d'expression française était à partir de 1965 à peu près, une littérature en désuétude. Une littérature qui n'en était plus une. C'est dans cet espace-là que naîtra cette nouvelle littérature des années 70, une littérature dont l'homme fort de la période était Rachid Boujadra. Un auteur critique qui montre du doigt cette société traditionnelle en s'attaquant préliminairement à la pensée. À la pensée, à toutes les pensées de l'extrême, et particulièrement à la montée de la pensée religieuse. Son roman La Répudiation en est un exemple parfait. D'autres auteurs, bien sûr, je reprends le cours de l'universitaire de Constantine, d'autres auteurs seront là. D'autres auteurs occuperont le terrain, mèneront le combat porté par Rachid Boujdah. Alors, je vais vous lire quelques passages pour justement voir cette littérature des années 70. Alors, littérature algérienne après l'indépendance. La littérature algérienne de langue française d'après l'indépendance est marquée par des différents changements politiques, économiques et culturels du pays. En même temps, c'est une nouvelle période dans le développement de la littérature algérienne marquée par une rupture vis-à-vis des anciens. Toutefois, la scène littéraire sera marquée par une autre génération. Je parlais tout à l'heure de Rachid Boujdah, entre autres.
La production littéraire est très variée et abondante. En effet, les auteurs des années 50 continuent de publier sur la guerre de libération. Donc il y avait encore, tel Mohamed Dib par exemple, même s'il avait changé son style, il ne cessait de ressasser la guerre d'Algérie, l'histoire de la nation, l'histoire des Berbères et des Arabes. Mohamed Dib, pour le reprendre, a donc pris conscience que la vraie révolution pour un écrivain est celle du langage. Aussi, la vraie question pour eux est-elle celle de la nouveauté, de la qualité de leur écriture? Il n'était plus question de faire une littérature de revendication, il était plus question de faire de l'esthétisme et de sortir de cet engrenage-là. Alors, entre 1960 et 1970, on aura le polygone étoilé de Kateb Yassine, qui retrace l'histoire de l'Algérie depuis la colonisation, les Alouettes naïves de Serge Abbar, qui s'occupe de plus en plus de la condition féminine dans une société patriarcale. Parallèlement, la scène littéraire était marquée par l'arrivée de nouveaux talents, des contestations violentes et la transgression des tabous traditionnels, le muezzin de Mourad Bourboun, la répudiation, j'en parlais à la chargée de drap, romans dans lesquels les auteurs livrent leur angoisse existentielle et révolte intérieure. Alors, le retour à la tradition et au patrimoine oral berbère, dans mémoire de l'absent de Nabil Fels, recours à la mémoire collective berbère à travers son personnage Abd Nawar, qui, écrasé par une histoire meurtrière, est toujours à la recherche d'une identité et d'une origine. Donc, la quête identitaire, elle est toujours là et elle ne quittera jamais la littérature algérienne. Et toute littérature d'ailleurs. Pourquoi? Parce qu'il y a l'homme derrière. Il n'y a pas uniquement le style, le talent, l'esthétique, la littérature, le champ intrinsèque et extrinsèque à celle-ci, mais il y a toujours l'homme, et l'homme est porteur d'une civilisation, de culture et d'une identité. Donc on ne peut échapper à ça. Alors, faisant partie de cette génération, Rachid Boujadra est l'un des auteurs les plus typiques de la littérature algérienne d'après l'indépendance. Critique sévère de la société traditionnelle, son œuvre s'attaque violemment aux abus du pouvoir de l'homme musulman et du religieux. Cependant, d'autres sujets, tels que la bureaucratie chez Kateb Yassine, tels que l'occidentalisme et l'orientalisme chez Rachid Boujadra, ou encore cette nouvelle vision maghrébine qui apparaîtra dans les romans, je dirais, en rupture à partir des années 80 et les conjonctures que connaîtront l'Algérie dans les années 90. Parallèlement, dans les années 80, il y aura ce qu'on appelle la littérature beurre. Cette littérature des Algériens de France, des Algériens qui avaient bien sûr quitté le pays avant ou après, et dont la deuxième ou troisième génération, je dirais, avait pris la parole pour, premièrement, réclamer des droits vis-à-vis des citoyens français, deuxièmement, par rapport aux problèmes, je dirais, sociopolitiques et des problèmes d'ordre social et sociétal d'une manière générale. Et troisièmement, c'était une génération d'Algériens qui se cherchaient encore, c'était une génération d'Algériens qui doutaient, qui étaient entre deux rives, entre le pays de leurs parents et le pays d'accueil quelque part. Ils étaient français, de parents algériens, et ils avaient quelque part je dirais pas dénigrement, mais ils avaient quelque part cette volonté d'aller à la recherche de leur essence, de leur identité. Et ça, cette littérature beurre. Alors, une question de M. Abdraouf Draoui, Boudjedra serait-il le conservateur ou réactionnaire selon toi? Je pense que Boujadra a toujours été fidèle à lui-même. Si on va lire par exemple l'Insolation, on va voir que Boujadra est au sommet de son art. On n'aurait qu'à enlever le nom, il aurait le prix Nobel. Selon ses écrits, oui, Boujadra, je ne vois pas où il serait conservateur. Politiquement, il est communiste.
Je ne vais pas revenir sur le propos religieux, car je sais que ce n'est pas là qui va alimenter le débat ou qui va le rendre plus harmonieux. Ça va créer juste des zizanies entre les uns et les autres. Mais je dirais que son style, le style Boujdra, est teinté d'une certaine révolte esthétique, d'une certaine révolte littéraire, mais plus encore, il va apporter cette dimension-là psychologique effleurée par Kateb. Il va apporter cette psychanalyse du texte littéraire. Il va apporter cette exploration puérile du personnage. Alors, Aït Abdelkader Nassima qui nous pose une question. Boujdra a écrit dans quel climat? Alors, le climat des années, de sécession quelque part. C'est-à-dire que la littérature algérienne venait de sortir d'un long combat. Et il fallait un renouveau qui passait par un esthétisme, par des thèmes et par des choses nouvelles. Et Boujdra incarnait justement ce climat-là. C'était l'homme fort de la littérature des années 70 et 80. Alors, pour en revenir au concept de la littérature beurre parallèlement en France, des littérature beurre demeure problématique. Appelée littérature maghrébine, européenne, arabe ou étrangère, son statut est souvent indécis dans le champ littéraire. Ça, c'est la première problématique de la littérature beurre. Alors, Charles Bond reprend ce problème de l'illégitimité et dit: les textes beurre qui ne répondent pas à cet archétype du témoignage autobiographique non distancié existent, mais ils sont immédiatement marginalisés par la critique ou par l'édition. L'institution veut du témoignage et les critiques de l'esthétisme. Il est clair que cette littérature n'est pas sans faille. Donc ici, Charles Bonne, clairement, énonce que y a une certaine faillite derrière cette littérature. Cette littérature est faillible, elle a des failles. Cette littérature est en cours de construction, je dirais. Mais si son style est le plus souvent oral et argotique, vocabulaire des quartiers, de la banlieue, c'est peut-être que la langue des tripes demande d'abord à être entendue, sans devoir au préalable passer devant une police de l'esthétique qui s'arrogerait le droit de sanctionner l'affichage d'une non-littérarité. Alors ici, c'est le concept de la littérarité qui comprend comment peut-on considérer un texte littéraire ou pas. Comment peut-on dire que ce texte est une création littéraire ou bien est ou répond à la norme, à une norme littéraire ou pas. Alors, à partir des années 80, les écrivains beurre ont pris la parole pour s'exprimer, pour raconter leur vie, pour raconter leur société. Ils sont donc passés d'objets du discours à de véritables sujets de discours, à travers une publication abondante et spécifique à leur univers. Alors, je dirais les textes qui sont assez significatifs de par leur langage et leur thème. Je dirais les romans d'Azouz Begueg, qui sont au titre révélateur. Le Gone de Chaaba, 1986. Le Passeport, 1989. Mais encore, je citerai la somptueuse Nina Bouraoui, qui a, je dirais pas un talent fou pour narrer, mais qui a un style assez léger, qui a un style bien travaillé, bien fait. D'ailleurs, j'ai ici son roman Sauvage de Nina Bouraoui, qui revient entre autres sur une jeunesse algérienne des années 70. Alors, Nina Bouraoui et d'autres femmes prendront la parole pour s'exprimer à travers une forme de postmodernité, apportant une nouvelle forme d'écriture où se mêlent fiction, référent et autobiographie. D'accord? Je peux citer ici quelques œuvres de Nina Bouraoui: La Voyeuse interdite, 1991, Jour du séisme, 1999, Mes mauvaises pensées en Finlande, 2005, entre autres, dans lesquelles l'auteur revendique un espace de liberté au féminin. D'accord?
donc dans une certaine mesure. Alors, le dernier point, la dernière alcôve de la littérature algérienne d'expression française, c'est la littérature des années 90-2000. Alors, je reviendrai peut-être dans un prochain post sur la littérature et l'exercice de la littérature dans ces conditions extrêmes qu'avait vécu l'Algérie, dans cette barbarie-là qu'avait vécu l'Algérie. Je reviendrai sur le rôle que certains intellectuels, tels que Feu Tahar Jaoud, ont eu pour combattre cette pensée régressiste, extrémiste, cette pensée auquel je n'aimerais pas faire ici un procès car là n'est pas mon propos, mais qui est révoltante. Le paysage politique de la période des années 90 va justement marquer un tournant décisif pour la société algérienne, tout comme la littérature, ainsi que pour de nombreux auteurs. La forme d'écriture la plus, la forme d'écriture la plus marquante, la plus prépondérante de cette littérature des années 90, qui est en soi une littérature d'urgence, c'est cette littérature assez réaliste, cette littérature qui reprend quelque part l'objet social en tant que nation. Je citerai par exemple Meïssa Bey, au commencement était la mère. Je vais en reprendre d'ailleurs un passage ici. Je l'ai fait auparavant dans un poste dans un précédent poste. Et cette urgence, elle est à la fois dans le roman de Meïssa Bey, au commencement était la mer. Elle était à la fois spatiale, elle était à la fois sociale, elle était à la fois esthétique et littéraire, et elle était à la fois, à travers le discours. On perçoit cette tension, cette aliénation, ce dédoublement, cette folie qui avait gagné les Algériens durant les années 90. À la de son logement, quelque part à la périphérie de la ville. De là, la mer furtivement entrevue n'est plus qu'une flaque immobile, inutile. Et les bâtons en rade ne font même plus rêver de voyage. Pour ceux de la cité, l'été c'est un bloc d'ennui et de chaleur tout ensemble. L'ennui que l'on traîne le long de jours interminables, que vainement l'on essaie de tromper, que par un souffle d'air ne vient distraire. Des journées qui s'additionnent, exactement semblables, et l'on n'ouvre pas les fenêtres, histoire de ne pas voir le soleil qui désespérément s'attarde sur la ville. Alger autrefois blanche s'abandonne à l'inertie sous un ciel insupportablement feu, bleu. Alger se redécouvre bardée de chars et de militaires en treillis. Alger se réveille en sursaut au bruit des détonations qui déchirent le silence de ses nuits. Le jour. Ceux de la cité occupent les terrains vagues tout autour des immeubles. Poussière, cailloux et détritus. Corvée d'eau entre deux parties de football. Tuer le temps, disait-il. Rien que le temps. Et puis, à l'œuvre du couvre-feu, il se replie dans les cages d'escaliers obscurs et nauséabondes. Ils essaient de défaire la nuit et la peur de leur plaisanterie et de leur rite mêlé. Nadia les entend parfois de sa chambre. Quelques raclements de guitare, des refrains repris en sourdine. Retardant le plus longtemps possible le moment où ils devront rentrer dans un appartement trop petit, trop sombre, chargé des rancœurs inexprimées d'une mère qui ne les écoute pas, qui ne les écoute plus, et des colères irraisonnées et brutales d'un père qui ne leur parle pas, qui ne leur parle plus. Meïssa Bey, au commencement, était la mère, page 19 et 21. Une littérature des années 90 qui sera marquée par
notre chère Yasmina Khadra. Les Agneaux du Seigneur. Racimet est un village de l'Algérie d'aujourd'hui. On se connaît depuis l'enfance, on se jalouse et on se jauge. On s'affronte en secret pour obtenir la main d'une jeune fille. On déteste ceux qui ont réussi. On méprise ceux qui sont restés dans la misère. On étouffe sous le joug d'une tradition obsolète. Il suffit du retour d'un enfant fanatisé pour que les habitants de Racimet basculent dans le crime collectif. Porté par le ressentiment et la rancœur. Et c'est ainsi que des garçons bien tranquilles deviennent des tueurs en série. Un cri magnifique. Yasmina Khadra, avec cette autre forme d'écriture, s'annonce dans les premiers romans et se fait connaître par le public algérien, notamment par Le Dingo Bistouri 1990 et La Foire des Enfoirés en 1993. Alors, préliminairement une critique acerbe au pouvoir politique, mais le propos devient vite réaliste et il reprend les sentiers du roman réaliste Yasmina Khadra. Pourquoi j'ai cité ces deux auteurs et j'ai omis les autres? Premièrement, parce que Yasmina Khadra a un engagement inéluctable pour son pays, et Mey Sebaï aussi. D'autres le feront, mais personnellement j'ai été marqué par l'un comme par l'autre. Je dirais en somme, avant de finir et avant de livrer une bibliographie, quelques titres révélateurs, je dirais que la littérature algérienne d'expression française a eu son heure de gloire, a eu ses combats, a eu ses batailles, s'est perdu en chemin, mais s'est vite retrouvé. Aujourd'hui, d'autres auteurs continuent et mènent le combat. Des auteurs de l'immédiat, des auteurs qui transgressent le tabou, Kamel Daoud, ou encore Emin Zewi, qui continuent justement à orner cette force d'esprit, qui continue à avoir un verbe fort pour faire retentir la voix de l'Algérien partout ailleurs. Alors, petite bibliographie avant de finir, œuvre littéraire. Alors, Ali Khouja Jamel, La Montre Religieuse, Alger Sned, 1900. Ça, c'est pour les membres de la communauté, pour qu'ils puissent retrouver les œuvres majeures de la littérature algérienne d'expression française. Et pour nos amis maliens, ivoiriens, tunisiens, marocains, qui viennent d'Inde, français, américain, peu importe, parce que la page doctorat en littérature française, francophonie, algérienne est ouverte à tout le monde, et pas simplement aux Algériens, pour toutes celles et ceux qui sont désireuses et désireux d'être parmi nous. Je reprends. Bachi Salim, Le Chien d'Ulysse, Paris Gallimard, 2001. Boudjedra Rachid, La Répudiation, Paris, de Noël, 1969. Encore Boudjedra Rachid, L'Insolation, 1972. Dib Mohamed, la trilogie. Qui se souvient de la mère de Dib Mohamed, dont j'avais inséré une vidéo hier, 1962. Djaou Tahar, Les chercheurs d'os, Paris, Seuil, 1984. Feraoun Mouloud, Le fils du pauvre, 1952. Malek Haddad, Je t'offrirai une gazelle, 1959. Malek Haddad encore, L'élève et la leçon, 1960. Le polygone étoilé, ou Nejma de Kateb Yassine. Khaled Issa, Peur et mensonge, 1997. Mouloud Mamri, La colline oubliée, L'opium et le bâton, 1952-1965, respectivement. Et d'autres qui sont cités. Qui sont cités dans le fabuleux cours de Madame Bougueshish Meriem, enseignante à l'université de Mentouri Constantine. Donc, je n'ai plus qu'à vous remercier d'avoir été là aujourd'hui. Je laisserai la vidéo sur le mur de la page. On se retrouvera certainement à nouveau. Merci encore d'être là et à bientôt. Ciao, ciao.